Jackie Hadouche, quand on plonge dans l'histoire de cet homme, on a l'impression qu'il était comme programmé pour tuer. Une enfance martyre, une lente escalade, une violence de plus en plus incontrôlable, des passages en prison qui n'arrangent rien. Il a tué 3 fois. Pour rien. Pour voler des casseroles ou des coussins, parfois un peu d'argent. Il a tué des gens par hasard, dans l'Oise, à Saint-Étienne. Et il a fallu toute la ténacité d'une juge pour qu'il soit condamné pour tous ses crimes. Beauvais, 21 juin 2002, début de l'après-midi. Daniel attend sa mère, Léo, qui doit venir garder sa petite fille de 2 ans. Car Daniel, qui travaille dans la restauration, est de service ce soir. C'était donné rendez-vous vers 3h, 3h15, et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas. Donc ça m'a inquiété sans trop m'inquiéter, parce que bon, il arrivait que c'est un petit peu en retard, ce qui n'était pas méchant. Les minutes passent, mais Léo n'arrive toujours pas. Daniel a vu sa mère la veille, tout allait bien. Elle l'appelle. Pas de réponse. Elle est peut-être en chemin, à moins qu'elle n'ait pas entendu le téléphone. À 73 ans, la vieille dame est un peu sourde. Daniel décide d'aller chez elle. C'est à 5 minutes à pied. Léo Capon habite un petit studio dans un foyer de travailleurs du quartier d'Argentine. Et en passant, j'ai vu que sa fenêtre était ouverte, donc je me suis dit, bon, bah, elle est là, elle est à la maison, il n'y a pas de problème. Donc j'y suis allée, et puis... je suis montée, j'ai frappé à sa porte. Donc ça n'a pas répondu. Donc j'ai refrappé sans réponse, j'ai sonné avec mon portable, j'entendais son téléphone sonner derrière la porte. Toujours pas la moindre réaction. Daniel descend voir le gardien pour lui demander un double des clés. Mais il est occupé avec un locataire. Alors elle remonte, de plus en plus inquiète. Elle est maintenant certaine qu'il est arrivé quelque chose à sa mère. Il faut qu'elle entre. Elle saisit machinalement la poignée. Et surprise, la porte est ouverte. Ben là, j'ai vu les marques de sang. Donc j'ai poussé la porte, je suis entrée tout de suite. Il y avait un désordre inimaginable qui régnait dans la pièce. Donc la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de trouver ma mère. La voyant pas, je me suis dit, elle n'est pas là. Il y a eu un cambriolage, elle n'est pas là. Malheureusement, ça n'est pas un cambriolage. Le studio est totalement dévasté et il y a ce sang partout. J'ai suivi les traces de sang qu'il y avait au sol, puisqu'il y avait 3 grandes taches. Puis j'ai retrouvé ma mère donc, dans le cabinet de toilette. Elle avait des papiers, des morceaux de carton sur le visage. On ne la voyait pas d'ailleurs, on voyait juste ses pieds qui étaient adossés sur le mur. Donc j'ai dégagé son visage et puis j'ai regardé si elle respirait encore. Donc elle ne respirait plus. Léo Capon, une vieille dame sans histoire de 73 ans, a été assassinée. Le gardien du foyer prévient la police de Beauvais. On voit le visage qui est ensanglanté avec des taches de sang séchées. La gorge qui est ouverte, on voit une plaie béante. Voilà un peu comment on découvre cette scène de crime. Et l'on commence nos constatations, effectivement, identité judiciaire. C'est-à-dire, dans un premier temps, la photographie des lieux pour geler toute la scène de crime. On saisit beaucoup d'objets dans la pièce, en particulier des canettes de bière, des couteaux de cuisine, des casseroles. Près du corps, sur le sol, le brigadier Rastel découvre un couteau très spécial. C'est un couteau qui ne correspond pas à Madame Capon, c'est une arme qui est plutôt une arme de chasse, une arme qui sert à découper le gibier. Ce couteau est placé sous scellé. À l'extérieur, près de la porte, il y a autre chose qui attire l'attention de la police. Un sac poubelle rempli de vaisselle et de linge de maison. Des objets qui appartenaient à Léo Capon et qui n'ont rien à faire là. Le 21 juin au soir, le procureur de Beauvais saisit la police judiciaire de Creil et ouvre une information. Capitaine Auberti, le 21 juin 2002, vous pénétrez à votre tour dans le studio de Léo Capon. Vous pouvez nous décrire la scène ?
Nous ouvrons la porte et là, nous découvrons un appartement complètement saccagé, comme s'il y avait eu un cyclone qui était passé. Et au centre de la pièce, nous avons une traînée de sang qui part de ce centre et qui conduit jusqu'à la salle d'eau. Et ce sera dans cet endroit que l'on va trouver le corps de Mme Capon. Dans quelle position ? Mme Capon sera allongée sur le dos, sa jupe relevée comme si on l'avait traînée par les pieds. Et elle présente de nombreux hématomes au niveau du visage, et également une plaie béante au niveau de la gorge. Est-ce que des choses ont été volées dans le studio ? La fille de Mme Capon, qui a découvert sa mère, nous indique tout de suite que le téléviseur donc, est manquant, le micro-ondes également. Et on s'aperçoit que dans les placards de cuisine, tout ce qu'il y avait en denrées alimentaires ont également disparu. Des denrées alimentaires ? Tout à fait. Tout ce qui a été volé n'avait pas grande valeur ? Lors des constatations, on a même pu retrouver sa carte bancaire et un peu d'argent qui avait été laissé, j'allais dire enseveli, oublié peut-être, sous différentes affaires. Quelles sont les premières hypothèses, les premières pistes ? La première piste, c'est la piste familiale, parce qu'on ne connaît pas la famille de Mme Capon. Donc, on va faire des réquisitions au niveau des banques pour avoir les comptes bancaires, on va faire des surveillances techniques, des écoutes téléphoniques, et ça ne mènera à rien. La seconde hypothèse, c'est la piste du rôdeur, ou alors du locataire du foyer, ou également du SDF, au vu de ce qui a été dérobé. Aucune piste, a priori, n'est privilégiée ? Dans un premier temps, non. Mais petit à petit, on va s'orienter plus vers la piste du rôdeur. Le lendemain, la police judiciaire investit le foyer. Quelqu'un a peut-être entendu ou vu quelque chose d'inhabituel. Personne n'a rien remarqué. Ce qui n'étonne pas vraiment la police. La résidence compte plus de 300 locataires. Il y a beaucoup de passages dans la journée. L'autopsie révèle que Léo Capon a été roué de coups. Son visage est en bouillie. Elle a été égorgée. Et elle est morte étouffée par son propre sang. Les policiers pensent tout de suite à ce couteau de chasse qu'ils ont retrouvé par terre. Ça peut être l'arme du crime dans la mesure où les dimensions de cette arme et surtout l'aspect des lésions, les dimensions des lésions bien entendu, et l'aspect des berges et lésions sont compatibles avec l'utilisation d'une telle arme. Si ce couteau est bien l'arme du crime, il ne porte aucune empreinte, aucune trace ADN exploitable. Il a été nettoyé. Les policiers s'intéressent alors à la personnalité de Léo Capon. La vieille dame, originaire d'Amiens, s'était installée il y a un an dans ce foyer pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants. Elle ne voyait pas grand monde dans le foyer. Elle était assez discrète. Elle se confondait dans la masse, quoi, je dirais. Elle sortait juste pour faire ses petites courses ou pour venir garder la petite à la maison. C'était ses seules sorties, quoi, en fait. A priori, les Capons forment une famille unie. La piste familiale est écartée. Et Léo, qui ne connaissait personne à Beauvais, n'avait pas d'ennemis. Les policiers retournent au foyer, le seul endroit où ils pensent pouvoir trouver une piste. Là, au moins, ils ont un atout, les bandes vidéo. Le foyer est équipé de 4 caméras de surveillance qui filment l'entrée et certains couloirs de 18h30 à 7h du matin. Avec un peu de chance, le meurtrier va apparaître sur ces images. Les caméras sont placées en hauteur, donc nous n'avons qu'une vision du visage, mais vu de haut, un peu déformé. L'usure des cassettes vidéo fait que ces images sont de très mauvaise qualité, donc on n'a finalement qu'une silhouette. Le policier visionne des heures de bande. Une image retient son attention, celle d'un homme qui entre dans le foyer vers 19h. Ben, c'est un individu qui a le crâne dégarni, qui porte une veste trois quarts. Il arrive avec cette veste trois quarts, il ne porte pas de casquette au départ, mais quand on le revoit ressortir, en se dissimulant légèrement, en baissant la tête, il porte une casquette. Une casquette, comme s'il se cachait. Et ça n'est pas tout. L'individu ressort vers 21h-21h30 avec des sacs dans les mains. Des sacs poubelles,
comme celui que les policiers ont retrouvé devant la porte de Léo Capon. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. La PJ tient enfin une piste. Cet homme, au crâne dégarni, a certainement quelque chose à voir avec le meurtre. Au niveau du foyer, il est inconnu. Personne ne semble savoir qui est cet individu. La bande vidéo est trop abîmée pour que l'on distingue clairement le visage. Il va être difficile d'identifier cet homme au crâne dégarni. Capitaine Auberti, très vite, la piste du rôdeur apparaît comme la plus plausible, mais par définition, c'est quelqu'un sur lequel il est difficile de mettre la main, puisqu'il rôde. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au départ de l'enquête, on n'a que très peu d'éléments. Je veux dire, nous avons une vidéosurveillance, mais de relativement mauvaise qualité. Nous n'avons aucune empreinte digitale retrouvée sur le lieu du crime, hormis celle, bien sûr, de la victime et de ses proches. Nous n'avons également saisi des différents objets qui vont être transmis pour expertise génétique. Et sur certains des objets, on va découvrir un ADN masculin, mais on n'aura personne pour comparer. Oui, c'est-à-dire dans le fichier des empreintes génétiques, il n'y a rien... Il n'y a rien qui ressortira. Qui ressort et qui est comparable à cet ADN. Quels sont les risques de ce genre d'enquête, en fait, qui manque de pistes, dès le départ? On risque d'avoir une enquête qui va durer dans le temps, qui risque de s'enliser, et qui risque même, au final, de ne mener à rien du tout. C'est-à-dire au non-lieu? Au non-lieu, oui. Alors qu'à la PJ de Creil, on craint de plus en plus de devoir classer le meurtre de Léo sans suite, une autre affaire éclate à 600 km de là, à Saint-Étienne. Autant dire qu'a priori, les deux crimes n'ont rien à voir. A priori. Commissariat de Saint-Étienne, 27 juillet 2002. À la PJ, un homme est en train de raconter son histoire. Il vient de découvrir son fils mort. Il s'appelait Sylvain Rome. Il avait 32 ans. Il était caméraman. Ça faisait 2 semaines que son père n'avait plus de nouvelles. Alors il est allé voir chez Sylvain et c'est là qu'il a découvert le corps. Il se trouve donc dans sa chambre, allongé sur son lit. Il est en caleçon. Il est couché sur le ventre. Donc le corps est quand même en très mauvais état. Il est en état de putréfaction avancée. Sa tête est entourée d'une couette et d'un drap. Donc il y a du sang sur le matelas. Le corps est très abîmé. Le décès doit remonter à plusieurs jours. Ça ressemble à un suicide. Tout est en ordre dans l'appartement, la vaisselle a été faite, il n'y a aucune trace d'effraction ni de lutte. Mais quelque chose intrigue les policiers. Ils ne trouvent aucune empreinte ni trace ADN dans la pièce, même pas celle du locataire. Comme si l'appartement avait été nettoyé. Et puis quelques objets ont disparu. Le chéquier, les papiers d'identité ainsi que les clés de l'appartement et le téléphone portable de Sylvain Rome manquaient à ses affaires. C'était les seules choses qui manquaient. Si c'est un crime crapuleux, le butin est maigre. Les résultats de l'autopsie tombent. La mort de Sylvain Rome remonte à une dizaine de jours, probablement autour du 15 juillet. Et il s'agit bien d'un meurtre. Il apparaît d'évidence que ce décès est lié à une violence par arme blanche et même deux coups portés dans le thorax provoquant une perforation du poumon et une hémorragie, un hémothorax à l'origine du décès. Cette arme a disparu. Les analyses toxicologiques montrent que Sylvain a consommé de l'alcool en grande quantité. Il affiche un taux d'1,4 g. Il avait aussi pris des médicaments, du bromazépam, le principe actif du Lexomil, un puissant tranquillisant. L'effet du médicament est potentialisé et augmenté par l'effet de l'alcool. Donc ça nous paraissait certain que M. Rome, au moment de son meurtre, était dans un état soit de sommeil, soit d'affaiblissement personnel. On se demande pourquoi est-ce qu'effectivement il y a ce cocktail existant. Donc dans le sang de Sylvain Rome. Mais pour l'instant, donc on n'a pas la certitude que ce Lexomil donc a été pris volontairement ou lui a été administré contre son gré. Les proches de Sylvain ne comprennent pas non plus, car il n'était pas dépressif.
et ne consommait pas de médicaments. Il n'avait pas de médicaments pour la déprime, pas d'antidépresseurs. Donc s'il a eu des médicaments, si on a retrouvé des traces de médicaments, c'est forcément à son insu, quoi. C'est pas naturellement qu'il aurait été en prendre. Sylvain a dû faire entrer chez lui quelqu'un qu'il connaissait, puisqu'il n'y a pas de traces de lutte. Quelqu'un qui a pu le droguer et le poignarder. La brigade criminelle se renseigne tout de suite sur la personnalité de la victime et sur son entourage. C'est un bon garçon, serviable, accueillant, un baba cool, j'allais dire. Quelqu'un de sympathique, chaleureux, il était ouvert vis-à-vis des autres, il aimait bien le contact, discuter avec des gens de choses et d'autres, de philosopher un petit peu. La police écarte rapidement la piste familiale. Sylvain a dû faire une rencontre malheureuse, mais où ? Et qui ? Les policiers retracent l'emploi du temps de Sylvain Rome autour du 15 juillet, date supposée du meurtre. Ils veulent savoir qui l'a vu pour la dernière fois. Ils apprennent que Sylvain Rome a filmé pour le compte d'une télévision locale les championnats de France d'athlétisme qui se déroulaient à Saint-Étienne durant le week-end du 13 et 14 juillet. Le lendemain, le 15, en début d'après-midi, il a été vu dans un bar où il se rendait régulièrement, l'endroit. Après, personne ne l'a vu. Les policiers se rendent au bistrot et ce jour-là, ils ne perdent pas leur temps. L'endroit, un bistrot de Saint-Étienne. Le 15 juillet, vers 14h, Sylvain Rome boit un verre au comptoir. Il discute avec le barman quand Lucien, un habitué des lieux, arrive à son tour. Je rentre, je vois Sylvain. Sylvain que je connais depuis quelques mois, je trouve très gentil, sympathique, hein. J'allais dire un bon collègue. Donc je m'assois, je demande un café et puis je vois une autre personne qui se trouve à ma gauche, au comptoir. Cet homme, Lucien ne l'a jamais vu ici. Alors il se présente et engage la conversation. Je dis, bah bon, vous faites quoi? Vous êtes commercial? Il me dit, non, mais je suis informaticien. Alors je lui dis, ah bon, vous êtes informaticien, mais moi je suis électronicien, donc vous faites quoi dans l'informatique? Il me dit, et c'est un petit peu évasif. Mais après, je m'assois au bar, je bois mon café, donc il discute avec le barman. L'inconnu dit au barman qu'il arrive de Paris. Et maintenant, il raconte qu'il est kinésithérapeute. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Moi, je lui pose une question, il me dit, je suis informaticien. Il discute avec le barman, lui dit qu'il est kiné. Je me suis dit, bon, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Bon, j'ai fini mon café, donc je m'en vais. Je lui dis au revoir. Et je me dis, tiens, bizarre, ce gars, un peu étrange. Le kiné informaticien se met alors à parler avec Sylvain. Longuement. D'après la conversation qui a été entendue par le serveur, Sylvain Rome lui a parlé de son désir, de ce qu'il faisait. Notamment, il lui a parlé de l'audiovisuel, du monde de la photographie, de la mode. Et l'individu, donc ce fameux kiné, donc lui dit qu'également, il avait des connaissances dans le milieu audiovisuel. Donc apparemment, lors de cette rencontre, Sylvain Rome est tombé un petit peu... du moins était très impressionné et semblait pour lui avoir fait la rencontre idéale. Vers 16h, Sylvain quitte le bar en compagnie de l'individu. Les policiers retrouvent leurs traces juste après, dans une petite supérette du quartier. Grâce à un ticket de caisse qu'ils ont découvert dans l'appartement, ils savent ainsi que Sylvain a acheté une bouteille de whisky et du Coca-Cola avant de rentrer chez lui. Vers 17h, un copain de Sylvain a sonné à l'interphone. Il refuse que je monte en me disant « Non, je peux pas, j'ai pas le temps, je dois y aller », quelque chose comme ça. Et bon, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris. J'ai senti dans sa voix un embarras. J'ai pas senti de détresse, j'ai senti plus un embarras. Et je me suis dit « Bon, il est peut-être avec quelqu'un, une fille, ou il veut pas que je le dérange. » Donc je suis parti. Et j'ai plus de nouvelles. Personne n'a revu Sylvain vivant après ce 15 juillet, 17h. Pour la brigade criminelle, c'est évident.
Sylvain a fait monter l'homme rencontré au bistrot chez lui. Grâce au barman et à Lucien, qui l'a vu dans le bar, les policiers obtiennent un signalement assez précis. Alors, ils nous décrivent un individu, donc, type maghrébin, bronzé, présentant bien, avec une facilité de parole, quelqu'un qui a beaucoup de bagou, porteur de petites lunettes, donc peut-être pour accentuer le côté un petit peu sérieux. La police fait un portrait robot et le diffuse dans tous les hôtels, les foyers et les bars de Saint-Étienne. Ça ne donne rien. Alors elle s'intéresse au championnat d'athlétisme qui se déroulait ce jour-là à Saint-Étienne. La veille de sa mort, Sylvain a filmé la compétition. Si l'inconnu du bar est bien kiné, il a peut-être suivi le championnat comme soigneur. On a diffusé donc effectivement cette photo à tous les clubs d'athlétisme qui étaient présents. On a contacté et on a auditionné tous les médecins qui étaient présents à Saint-Étienne, donc ce jour-là, ainsi que les kinés, ainsi que tout le personnel de sécurité qui avait travaillé sur ces championnats de France d'athlétisme. Cet énorme travail ne donne rien. Aucun soigneur, aucun sportif ne reconnaît le portrait robot. La brigade criminelle s'attaque à une dernière piste, le téléphone. Le meurtrier détient peut-être un téléphone portable. Et si c'est le cas, il est possible qu'il ait passé ou reçu des appels dans la nuit du meurtre et activé des bornes relais du quartier de Sylvain. Je me suis fait envoyer tous les appels émis et reçus sur une tranche horaire assez importante avec les identifications des appels, afin de rechercher les individus, voir qui avait passé les appels téléphoniques, voir si on pouvait effectivement cibler un Parisien ou au moins quelqu'un de la région parisienne, voir un petit peu si on pouvait trouver quelque chose d'intéressant. Résultat, un fichier qui comprend des milliers de noms et de numéros de téléphone. Un travail de fourmi qui ne mène nulle part. Du côté de la famille Rome, on commence à craindre que le meurtrier de Sylvain ne soit jamais identifié. Le véritable problème qui se pose et qui n'est pas fréquent, c'est que on est en présence d'un crime sans aucun mobile. Aucun mobile. Partant de là, l'hypothèse la plus vraisemblable, la plus terrible, c'est qu'il ait pu croiser la route, tout simplement, d'un psychopathe qui l'aurait tué pour le tuer. Le seul espoir de trouver un jour celui qui a commis ces faits, c'est qu'il récidive dans des circonstances à peu près semblables et qui permettront de faire le lien entre cette affaire-là et le crime dont a été victime Sylvain Rome. Au bout de 2 mois d'enquête, les policiers de Saint-Étienne n'ont rien, si ce n'est ce portrait robot que personne ne reconnaît. À Beauvais, en revanche, ça bouge. Enfin, 3 mois après le meurtre de Léo Capon. Le 13 septembre, en début d'après-midi, Liliane Michaud quitte l'Intermarché du quartier Argentine de Beauvais. Elle vient de faire ses courses et elle rentre chez elle. Difficilement. Elle a 82 ans et elle marche avec un déambulateur. Quand elle arrive devant son pavillon, soudain un homme se jette sur elle et la frappe au visage. Il la jette par terre, lui vole son porte-monnaie et disparaît. Madame Michaud parvient à gagner son pavillon et appelle la police. Quand on arrive sur place, on a une dame qui présente des traces d'hématome au niveau des yeux, au niveau du menton, au niveau du nez. Elle a vraiment été frappée sauvagement. Ses coups, ses blessures au visage, le policier y pense tout de suite. Il lui rappelle le meurtre de Léo Capon, il y a 3 mois. Je pense effectivement que c'est le même agresseur. C'est trop ressemblant. C'est dans le même quartier, à quelques centaines de mètres près. Ce sont des personnes qui ne font de mal à personne, qui ont fait des courses. Vraisemblablement, elles ont été suivies par le même individu, ou peut-être des individus qui se connaissent bien. Et elles sont frappées et volées pour pratiquement pas grand-chose. Même si tout s'est passé très vite, Madame Michaud a eu le temps de voir l'homme qui l'a frappée. Cette dame, elle fait effectivement un signalement d'un individu, 35, 45 ans, cheveux dégarnis. C'est un peu vague dans son esprit, mais elle sera en mesure de le reconnaître. Le brigadier envoie une patrouille au supermarché interroger les agents de sécurité. Ils m'ont donné comment il est habillé physiquement, tout. Je dis, on ne voit pas, il y a celle qui vient, parce que c'est
parce qu'il vient de sortir de la prison. Celui qui vient souvent au magasin, c'est Jackie Hadouche. Jackie Hadouche. Les policiers le connaissent bien, très bien même. L'homme est de Beauvais. C'est un violent condamné plusieurs fois, un caïd du coin. Et il a longtemps habité dans le quartier Argentine, celui des vieilles dames. Les policiers consultent son casier. On s'aperçoit qu'il est sorti de prison en février, que depuis ce moment où il est sorti de prison, eh bien, on entend parler de lui un peu beaucoup sur Beauvais. C'est quelqu'un qui est décrit comme étant un rôdeur, ou un routard, possiblement très violent à certains moments, et très agressif, à une époque toxicomane dépendant. Jackie Hadouche vient de faire 6 ans de prison pour vol. Des vols commis après avoir empoisonné ses victimes avec des médicaments. Mais objectivement, rien ne le rattache encore à l'agression de l'Intermarché, ni d'ailleurs au meurtre de Léo Capon. Les policiers n'ont pas de photos de lui récentes. Ils ne connaissent même pas son adresse. Ils se mettent donc à sa recherche dans les rues de Beauvais, là où l'homme a l'habitude de traîner. Les vigiles d'Intermarché le signalent à proximité d'un magasin, donc sur la ZUP. Je me rends sur place et à ce moment-là commence la filature et la séance de photographie à distance. C'est un individu qui effectivement a beaucoup vieilli, il a perdu beaucoup de cheveux. Le front est bien dégarni, il semble un peu apeuré, il regarde toujours derrière lui. Il a cette calvitie qui fait penser à celle de l'homme repéré sur la bande vidéo après le meurtre de Madame Capon. Quand on présente la vidéo du Somacotra, au vigile du supermarché, il reconnaît Jackie Hadouche. Jackie Hadouche, ça y est, les policiers tiennent enfin un suspect pour le meurtre de Madame Capon. Mais cette bande vidéo de mauvaise qualité ne constitue pas une preuve suffisante pour l'arrêter et le placer en garde à vue. Le 30 septembre, il dépose une convocation à son nouveau domicile, un petit meublé qu'ils ont repéré lors de la filature. Mais Jackie Hadouche ne répond pas à cette convocation. Et il disparaît. Les policiers ont perdu sa trace. L'homme a quitté la ville. Il est arrêté 3 jours plus tard, à 800 km de là, aux abords de la gare de Nîmes. L'affaire rebondit. Nîmes, 2 octobre 2002. Il est un peu plus de 23 heures. Des policiers de la brigade anticriminalité patrouillent dans les rues. À la hauteur de la gare, ils voient débouler un vigile. Le vigile leur explique qu'ils viennent de mettre en fuite un individu qui vient de casser une vitre à la SNCF. Donc il voulait rentrer dans le hall de la gare qui est fermé au public donc à cette heure tardive de la nuit. Les policiers partent à sa recherche. Quelques minutes plus tard, ils l'aperçoivent dans une ruelle allongée par terre entre 2 voitures. Ils veulent l'interpeller mais l'homme se débat. Ils sont obligés de le plaquer au sol, donc ils le menottent et donc cet individu est ivre, il sent l'alcool. Donc il est ramené au commissariat de Nîmes où il est placé immédiatement en garde à vue. Il est entendu le lendemain matin. Il dit qu'il s'appelle Saïd Hadouche et qu'il est kinésithérapeute. Mais il ne peut rien prouver, il n'a pas ses papiers. Pour le policier, ça sonne faux. Il disait qu'il avait un diplôme, un doctorat. Et à ma connaissance, quand on a un doctorat, on est docteur, on n'est pas kiné. Donc ça ne m'est pas crédible. Puis il était très nerveux, juste pour des dégradations sur une vitre. Le policier envoie ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales. Là, on apprend qu'il est donc connu sous l'identité de Jackie Hadouche et non Saïd Hadouche. Un kiné qui n'en a pas l'air, un Saïd qui devient Jackie, l'homme aggrave son cas. Et cet Hadouche à Nîmes, personne ne le connaît. On vérifie dans un deuxième fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, le FPR. Donc, et c'est là qu'on se rend compte qu'il est recherché par la justice donc à Beauvais. Les policiers de Nîmes contactent Beauvais. Ils apprennent qu'ils viennent d'arrêter par hasard un homme accusé de meurtre. Ils le transfèrent le jour même. Et pendant ce temps-là, la PJ perquisitionne son petit appartement. La perquisition de ce domicile permet la découverte d'un certain nombre d'éléments
qui sont identifiés par la fille de Madame Capon comme provenant de chez sa mère. J'ai reconnu notamment une couverture, un couvre-lit, une taie d'oreiller, un coussin dont elle avait le double à l'appartement qui était resté, lui. À Beauvais, Hadouche est placé en garde à vue. Capitaine Auberti, comment se déroule la garde à vue de Jacky Hadouche ? Nous allons lui expliquer que nous travaillons sur le meurtre de Mme Capon, qui a eu lieu donc le 20 juin 2002. Et tout de suite, il nous dit qu'il n'était pas à Beauvais et qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Mais vous avez quand même des éléments qui prouvent qu'il était dans le studio de Mme Capon. Peu de temps avant sa garde à vue, nous avons été faire une perquisition à son domicile avec deux témoins. Et là, nous avons retrouvé effectivement des effets vestimentaires, textiles. Et là, quand on lui représente ces éléments, son attitude change du tout au tout, car il devient agressif, il hausse le ton, il refuse de répondre à nos questions. Et il dit tout simplement que tous ces objets qui sont à charge contre lui, il nous en donne la provenance. Il dit que ça vient de son voisin prénommé Frédéric. Alors ce Frédéric, vous cherchez à le rencontrer ? Tout à fait. On va l'identifier quelques jours plus tard et on va l'entendre. Dans un premier temps, on lui demande s'il se souvient de sa journée du 20 juin, sans parler du meurtre de Mme Capon. Et là, tout de suite, il nous parle de Hadouche. Il nous dit le 20 juin, quand il est rentré de son travail, il a trouvé son appartement fracturé. Oui. Il y a eu un vol par effraction donc, dans son appartement et il suspectait Jacky Hadouche. Mm-hmm. Et il nous précise que le soir, vers les 22h, il voit Jacky Hadouche revenir en état d'ébriété. Et Jacky Hadouche était porteur d'un imper clair à col foncé, mm-hmm. avec une trace de sang dans le dos et des sacs, notamment des sacs poubelles également, contenant des ustensiles de cuisine et des denrées alimentaires. Mmh. Donc là, ça nous permet de faire un lien, j'allais dire, avec le dossier Capon, étant donné que, comment, sur la vidéosurveillance, nous avions un suspect qui apparaissait avec ce genre d'imperméable. Il y a cette affaire de couteau aussi, qui aurait pu servir à tuer Mme Capon. Tout à fait. Spontanément, Frédéric nous dit qu'il avait déjà vu Jacky Hadouche avec ce genre de couteau. Il nous le décrit. Et il correspond tout à fait à celui que nous avions sur les albums photos de la scène de crime. Vous lui montrez des photos tirées de la vidéo ? À la fin de son audition, oui. Et là, il reconnaît formellement Jacky Hadouche, de par sa tenue vestimentaire, mais également à son allure générale quand il se déplace. Il est formel ? Oui. Le 3 décembre 2002, Jacky Hadouche est mis en examen pour le meurtre de Léo Capon. Tandis que l'instruction se poursuit, le tribunal correctionnel de Beauvais le condamne dans une autre affaire, celle de l'Intermarché. La vieille dame au déambulateur a parfaitement reconnu Hadouche. C'est bien lui qui l'a suivi et attaqué devant chez elle. Hadouche écope de 8 ans de prison pour cette agression. Et l'homme retourne donc derrière les barreaux. Hadouche est né à Beauvais en 1964. Il est le troisième d'une famille de 12 enfants. Ses parents sont algériens. Son père, Ahmed, a servi dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Il est arrivé en France en 62 comme des centaines de milliers de harkis. La famille s'est installée à Beauvais, dans une cité d'urgence. Monsieur Hadouche, père, trouve un poste d'ouvrier spécialisé à l'usine Lookid. Très vite, il se met à boire, perd son emploi et se montre violent avec sa femme et ses enfants. De plus en plus violents, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont alertés. Ils racontent que le jeune Jacky était un enfant intelligent et sensible, mais qu'à l'école, ça se passait mal. Le dossier d'assistance éducative décrit une personnalité dès l'enfance, décrite notamment par les instituteurs. Assez violent, assez agressif, assez impulsif. En 79, Jacky a 15 ans. Il est de plus en plus instable. Le juge des enfants le place dans un centre d'éducation surveillée, dans l'Oise. L'adolescent fugue régulièrement pour rejoindre sa famille, à Beauvais, malgré la violence de son père. Maître Bellouni, vous êtes l'avocat de Jacky Hadouche. Je voudrais savoir si, dans vos conversations avec lui, il vous a facilement parler de lui et notamment de son enfance.
Jacky Haddouche, son histoire est indissociablement liée à l'image de son père. Et son père, c'est un harki qui a tué pour la France, qui a combattu pour la France et qui a fait le choix de venir s'installer en France à la fin de la guerre. Et donc vous avez quelqu'un qui est coupé de ses racines, qui se réfugie probablement dans l'alcool du fait de ses traumatismes liés à la guerre et qui fait régner un climat de terreur et de violence extrêmement fort au sein de sa propre famille. Les enfants sont battus pas à coups de gifle, mais à coups d'échelle. Il envoie d'ailleurs un de ses fils aînés passer un séjour à l'hôpital. Il menace plusieurs fois de tuer ses enfants. Il dit à sa femme qu'il va construire 12 cercueils pour chacun de ses enfants et puis pour lui. Donc Jacky Haddouche grandit dans une atmosphère d'extrême violence. D'extrême violence. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a 16 ans? Et donc, sa femme, n'en pouvant plus de ce climat de violence, décide de divorcer, d'engager une procédure de divorce. Et c'est là où le père, ne supportant plus cette situation, se tire une balle dans la tête sous les yeux de son fils, qui est distant de son père. Il n'y a pas la distance qu'il y a entre nous deux en ce moment. Il est tout près de son père. Il est tout près de son père. Son père se tire une balle dans la tête. Son père se tire une balle dans la tête. Il est éclaboussé par son sang. Le corps de son père, il le reçoit dans ses bras. Et c'est cette scène terriblement traumatisante à laquelle il assiste et dont il est un acteur malgré lui. Mais les 12 enfants ont assisté à la scène? Non, seulement 3 ou 4 enfants. Et d'ailleurs, ce qui est assez... ce qui est assez notable par rapport à ça, c'est que les enfants qui ont assisté à la scène auront tous des parcours chaotiques et ponctués de séjours en prison. Très vite après le suicide de son père, Jacky Haddouche va faire son premier séjour en prison dans une affaire de viol collectif, c'est ça? Oui, où il était embarqué avec un légionnaire qui devait avoir 10 ans de plus que lui. Et dans le parcours de Jacky Haddouche, en fait, il passe d'une violence qui est la violence familiale, le traumatisme, à la violence carcérale. Il est en pleine période de deuil. Il n'a aucun suivi psychologique, aucun suivi psychiatrique. Et je pense qu'on... Jacky Haddouche, je trouve qu'il incarne à la fois l'échec d'une politique d'intégration et l'échec d'une politique carcérale. Dites-moi, Dominique Rizet, quand les policiers arrêtent Jacky Haddouche, en dehors de cette affaire de viol collectif quand il avait 17 ans, qu'est-ce qu'il y a dans son casier judiciaire? Mais Christophe, il y a une succession de condamnations et d'allers-retours en prison. Alors ça, c'est son casier judiciaire. En 86, il a 22 ans, Jacky Haddouche est condamné à 8 ans de prison pour une affaire de vol avec violence et plusieurs affaires de violence commises tantôt à main armée, tantôt à main nue. À 29 ans, il prend 6 mois de prison. Toujours pour une affaire de vol, cette fois-ci avec effraction. À 32 ans, 3 condamnations la même année. 3 mois, 4 mois, 6 mois de prison pour vol, vol aggravé et contrefaçon. À 33 ans, 2 ans de prison pour escroquerie et vol aggravé. En 1998, il a 34 ans. Là, il prend 6 ans pour une nouvelle affaire de vol avec violence qui va avoir son importance pour la suite de l'histoire parce que ce jour-là, il a empoisonné sa victime avec un cocktail de médicaments. Sa victime va survivre. Et c'est pas tout, parce qu'en 2002, alors qu'on est en pleine enquête sur la mort de Léo Capon, eh bien, une plainte va être déposée contre Jacky Haddouche pour une affaire qui remonte à 1995, 7 ans auparavant, une affaire de viol, un viol qu'il a commis à Beauvais. Alors, au total, ça veut dire que quand on l'arrête en 2002, Haddouche, il a 38 ans et il comptabilise déjà 24 années de condamnation. Ça ne veut pas dire qu'il a fait 24 ans de prison. Mais il a été condamné à 24 années au total. Du coup, est-ce qu'on peut croire une seule seconde que jusqu'en 2002, Haddouche n'a pas tué? Non, et ça va intriguer les policiers, évidemment. Ils vont chercher, parce que quand on a affaire à un client pareil, avec le CV qu'on vient d'évoquer tous les deux, ce serait quand même étonnant. Alors, ils vont ressortir, ils vont exhumer des vieux dossiers criminels, pour voir si le nom de Jacky Haddouche apparaît quelque part. Pas forcément comme auteur, comme suspect, mais simplement comme témoin. Et là, ils vont tomber sur une histoire très intéressante. L'affaire dans laquelle Jacky Haddouche a déjà trempé date de 92, mais elle n'a jamais été élucidée. Il s'agit de la mort d'un professeur du lycée du quartier Argentine, Gilles Canette, 45 ans. Dans ce dossier, Jacky Haddouche avait été placé en garde à vue, puis relâché. Le 1er décembre 92 au matin, le corps de Gilles Canette avait été retrouvé par sa femme de ménage sur son lit, totalement nu.
L'autopsie avait alors conclu à un décès par asphyxie, sans doute provoqué par la consommation d'alcool et l'absorption à très forte dose d'un antidépresseur, du tertian. Divorcé et séparé de sa fille, Gilles Canet était dépressif. Tout ça ressemblait fort à un suicide. Mais la femme de ménage avait orienté les policiers vers une autre piste. La femme de ménage déclare que le 30 novembre, donc la veille de la découverte du corps, M. Canet est venu chez elle vers 17h-17h30 à la fin de ses cours, qu'il y a bu un café et qu'il a quitté l'appartement de la femme de ménage vers 18h30. Et il a croisé un individu connu de la femme de ménage, un certain Jackie Hadouche. Et il s'avère qu'ils ont pris l'ascenseur ensemble. Ce Jackie Hadouche, les policiers de l'époque le connaissaient bien. C'était déjà un petit caïd du quartier. Nous sommes un peu étonnés qu'il fréquente quelqu'un comme M. Canet, qui est un enseignant et dont on ne voit pas trop ce qu'il a à faire avec quelqu'un comme Jackie Hadouche. À minuit, quelqu'un avait retiré 2800 francs, plus de 400 euros, avec la carte de Gilles Canet dans un distributeur du centre-ville. Or, Canet n'utilisait jamais sa carte. Il préférait aller au guichet de la banque. Dans l'appartement de la victime, les policiers avaient retrouvé une empreinte digitale d'Hadouche sur une bouteille de sirop de fraise. Preuve qu'il s'était bien rendu chez Canet. On peut penser que M. Hadouche ait voulu prendre de l'argent à M. Canet et qu'il ait utilisé des produits, des médicaments pour le faire parler ou l'endormir et consulter, trouver le code, etc. C'est possible. À l'époque, les policiers avaient convoqué Hadouche, qui avait reconnu qu'il était déjà allé chez Canet. Mais quel jour exactement ça, il ne s'en souvenait plus. Les policiers l'avaient laissé repartir. Et l'enquête s'était enlisée, et Jackie Hadouche restait leur unique suspect. Alors, un an plus tard, le 13 décembre 1993, il l'avait placé en garde à vue, et il avait nié toute implication dans cette affaire. Il ne se souvient pas être allé au domicile de Canet. Il dit qu'il était à Paris chez une amie qui se prénomme Chloé. À ce moment-là, cette amie avait opportunément débarqué au commissariat en pleine garde à vue. Curieuse coïncidence, elle venait prendre des nouvelles de Jackie Hadouche. Les policiers en avaient profité pour lui poser quelques questions. Dans un premier temps, elle confirme la venue de Jackie Hadouche sur Paris. Et bien évidemment, au regard des problèmes d'emploi du temps et d'horaire, des questions précises lui sont posées. Et là, tout de suite, elle se braque et elle refuse de répondre, disant qu'elle n'était pas venue pour ça, qu'elle n'avait pas été prévenue de cette audition et qu'elle n'avait pas à y répondre. Et donc, elle refuse de poursuivre l'audition. Chloé avait quitté le commissariat sans que les policiers n'aient pu vérifier l'alibi qu'elle fournissait à son petit ami Jackie. Le soir, 20-21h, Jackie Hadouche se taillade les veines dans le local de garde à vue à l'aide d'un briquet qui lui était resté dans les poches par inadvertance. Et donc, il est transporté au centre hospitalier. Il est soigné, il a des points de suture et il est placé sous Valium parce qu'il se montre très, très excité. Hadouche blessé, impossible de poursuivre les interrogatoires. Fin de la garde à vue. Les policiers le relâchent. Ils n'ont rien de concret contre lui. Et le dossier tombe dans l'oubli. La mort de Gilles Canet reste non élucidée. La justice clôt l'affaire par un non-lieu le 1er septembre 1994. Évidemment, en 2003, à la lumière de l'affaire Capon, le dossier Canet est rouvert. La juge Riche Flamand confie l'enquête à la PJ de Creil, qui convoque Chloé, l'alibi. Chloé nous indique qu'à l'époque du décès de M. Canet, donc en novembre 1992, elle ne connaît pas encore Jackie Hadouche, puisqu'elle est à l'époque encore non scolarisée sur Beauvais. Chloé avait donc menti pour protéger Jackie, qu'elle connaissait en fait depuis peu. Il n'était pas chez elle la nuit de la mort de Gilles Canet. L'alibi tombe.
La juge d'instruction convoque Hadouche. Mais il ne se souvient plus de rien, il ne se rappelle plus s'il a croisé Gilles Canette le jour de sa mort, il ne se rappelle plus avec qui il était cette nuit-là, bref, il n'a rien à dire. Mais 11 ans après la mort de Gilles Canette, la juge le met en examen pour vol précédé et accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort. Il faut dire qu'un nouvel expert lui a apporté quelques arguments convaincants. Alors Dominique, que révèle l'examen du dossier médico-légal de Gilles Canette ? Alors, examen mené à partir des éléments de 1992 par un nouvel expert qui travaille sur dossier. Oui, puisqu'il ne peut pas retourner travailler sur le corps. Alors, on se souvient qu'en 1992, la première expertise parlait de l'absence de lésions de violence sur le corps de Gilles Canette. Donc pas de coup. Voilà. Un décès en rapport avec un syndrome asphyxique. Donc, c'était sous-entendu un suicide, mais ça n'était pas écrit. En 2003, le nouvel expert va faire des conclusions différentes. Lui, il observe les photos, et peut-être avec le recul, avec le temps, avec d'autres moyens techniques, il dit ces traces qu'on voit sur les avant-bras de Gilles Canette et sur son visage sont peut-être des lésions, peut-être des blessures qui ont été provoquées par des coups légers, mais des coups quand même. Deuxième élément, le nouvel expert va revoir l'analyse toxicologique qui avait été menée à l'époque. On se souvient que Gilles Canette a avalé un médicament qui s'appelle le tertian, c'est un neuroleptique. Qu'il a mélangé avec de l'alcool. La majeure partie du tertian est retrouvée dans l'estomac. Il n'est pas passé dans le sang. Pas encore, une infime partie, à peine. Alors, le deuxième expert dit que la quantité d'alcool et de tertian qui était passée dans le sang n'était peut-être pas suffisante pour provoquer la mort de Gilles Canette. Donc, quelle est son hypothèse à lui ? Alors, son hypothèse, c'est que soit Gilles Canette avale seul ce mélange, alcool-médicament, soit quelqu'un lui fait avaler, met les médicaments dans l'alcool et lui fait avaler. À ce moment-là, il se sent mal, il est pris d'un malaise, et la personne en profite peut-être pour le malmener, lui serrer le cou, et il meurt. Ce qui est intéressant dans ce nouveau rapport, c'est que le premier parlait du suicide, celui-ci n'exclut pas le suicide, mais il ouvre une nouvelle porte, c'est l'hypothèse du meurtre. Françoise Nantois, vous êtes la sœur de Gilles Canette. D'abord, quand il est mort en 1992, comment est-ce qu'on vous a présenté les choses ? Eh bien, d'abord, mon père a été averti par un coup de fil du commissariat de police de Beauvais. Donc, une annonce plutôt brutale. On lui a annoncé qu'on avait retrouvé son fils mort dans son appartement. On nous a parlé d'un œdème, d'une embolie pulmonaire. Un accident de santé, autrement dit. Un accident de santé. Et vous êtes resté là-dessus ? On est resté là-dessus, bien entendu, oui. À l'époque, on avait évoqué aussi donc, une mort par médicament, donc un suicide. Vous le saviez d'abord, ça, vous ? Non. Pour vous, ça n'a jamais été un suicide ? Non, parce que quand quelqu'un a des projets, et Gilles en avait, c'était quelqu'un qui était brillant, qui avait des projets d'écriture. Il finissait un second roman, il préparait une thèse où il avait réuni une documentation importante. Ensuite, il y avait un voyage de prévu. Bon, quelqu'un qui a des projets, on ne pense pas au suicide. Comment est-ce que vous réagissez quand, 11 ans plus tard, on vient vous dire que peut-être, sans doute, il a été assassiné et que le dossier est ouvert ? On était effarés. On était effarés. Par cette nouvelle, on nous replonge dans le passé, et puis... C'est pas l'histoire que vous étiez faite dans votre tête, quoi. Non. Ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses. Bon, déjà, nous avions eu beaucoup de mal à faire notre deuil. C'est difficile, c'est très difficile. Savoir qu'il a été assassiné, savoir qu'il a peut-être souffert, savoir... C'est terrible. Vous saviez qu'à l'époque, il y avait eu une enquête ? On avait arrêté un suspect qu'on avait relâché, mais... Absolument pas. On n'a pas entendu parler de M. Hadouche qu'en 2003. Les enquêtes concernant les meurtres de Léo Capon et de Gilles Canette sont maintenant bouclées. Hadouche est renvoyé aux assises pour ces deux meurtres, ainsi que pour le viol commis en 1995 à Beauvais. Mais le 31 octobre 2006, coup de théâtre, Jackie Hadouche écrit une lettre depuis sa cellule à la juge d'instruction. Il a des révélations à faire au sujet du meurtre de Gilles Canette.
Dans sa lettre, Jackie Hadouche affirme qu'il connaît l'identité des véritables meurtriers de Gilles Canette. Je vous jure que j'ai rien à voir avec la mort de M. Canette, écrit-il. Il poursuit. Voici les noms des personnes qui ont tué M. Canette et qui lui ont volé sa carte de crédit. Soit c'est une énième version pour se dédouaner face au renvoi devant les assises, soit, étant une énième version, il y a peut-être une partie de vrai, comme d'habitude. Comme d'habitude, face aux déclarations de Jackie Hadouche, ma première réaction est qu'il faut vérifier par rapport à ce qu'il a pu, écrire. La juge d'instruction envoie donc la PJ interroger ce qu'Hadouche vient de balancer. Il s'agit de deux jeunes du quartier Argentine, des jeunes qui étaient à l'époque des élèves de Gilles Canette. Une partie de ces personnes-là confirme qu'effectivement, le soir du décès de M. Canette, elles étaient chez M. Canette avec Jackie Hadouche, ce qui est pour nous un élément primordial. Que Jackie Hadouche a eu pendant cette soirée-là une attitude un petit peu bizarre, qu'ils ont vécu comme bizarre. Jackie Hadouche passe d'une pièce à une autre et visiblement est en train de faire des repérages, disparaît dans la salle de bain, etc. Bref, un comportement des plus suspects pour ces jeunes. Les deux jeunes racontent aussi qu'ils ont quitté l'appartement vers 19h et que Gilles Canette est resté seul avec Jackie Hadouche. Et le lendemain, ces mêmes jeunes vont recevoir la visite de Jackie Hadouche. Jackie Hadouche qui se présente chez au moins deux d'entre eux à une heure tout à fait inhabituelle. Le Jackie Hadouche, ça n'est pas un lève-tôt, il est 8h du matin. Ils vont être menacés, Jackie Hadouche va leur demander de ne rien dire de sa présence chez Gilles Canette la veille. Le problème pour Jackie Hadouche, c'est que lorsqu'il vient les menacer, personne ne sait officiellement que Gilles Canette est décédé puisque son corps sera découvert une heure plus tard à 9h. Ces témoignages accablent définitivement Hadouche. Lui qui tentait de sauver sa peau en venant au secours de la justice devient le seul accusé possible, l'unique responsable de la mort de Gilles Canette. Manifestement, sa lettre a manqué son but. Il présume, conformément à ce qu'il leur a demandé, ces personnes-là vont le couvrir. Donc vont lui fournir un alibi, et étant elles-mêmes présentes sur les lieux, donc se sentant en partie impliquées, vont dire qu'il ne s'est rien passé et que tout le monde a quitté les lieux. Voilà, voire qu'il n'était pas là, puisque c'est ce qu'il leur a dit de dire à l'époque. Donc je pense qu'il présume qu'il va être mis hors de cause par ces personnes-là. Il a tort. La lettre, au final, ne change rien au destin judiciaire d'Hadouche. Il reste renvoyé aux assises pour les meurtres de Léo Capon et de Gilles Canette, ainsi que pour le viol commis en 1995 à Beauvais. Parce qu'elle pense qu'il a pu tuer d'autres fois ailleurs, la juge d'instruction décide de lancer une circulaire d'information dans toute la France. Elle y détaille le profil d'Hadouche et ses différents modes opératoires. Toute la police française reçoit ce signalement. Et à Saint-Étienne, la brigade qui enquête sur la mort de Sylvain Rome, le jeune caméraman, saute dessus. À Saint-Étienne, cette enquête est au point mort depuis 7 mois. Jusqu'à ce que le policier chargé de l'affaire, le lieutenant Duboul, tombe sur la circulaire émise par la PJ de Creil. Ce qui nous a sauté aux yeux lorsqu'on a vu cette circulaire, cette demande de rapprochement de la PJ de Beauvais, c'est de voir que tout collait. Le fait que Jackie Hadouche abordait ces personnes se présentant comme kiné ou infirmier, bon déjà c'était un premier point par rapport à cette rencontre dans le bar avec Sylvain Rome. Ensuite on avait cette notion, la notion du fait que c'était une personne qui était, c'était un beau parleur. Et également, très important, droguer ou empoisonner ses victimes. Le coup du kiné, les médicaments, le vol, tout est là. Comme si cette circulaire racontait ce qui était arrivé à Sylvain Rome. Le lieutenant Duboul contacte la PJ de Creil. Il apprend que le bonhomme a un casier long comme le bras et qu'il est encore soupçonné de 2 meurtres et d'un viol commis à Beauvais. Un sacré client. Et détail intéressant, il a de la famille à Saint-Étienne. Reste à prouver qu'il s'y trouvait bien le 15 juillet 2002, le jour où Sylvain Rome a été poignardé. Le lieutenant Duboul a une idée.
Il reprend les listings de téléphones portables dans lesquels il s'était immergé à l'époque. Les milliers d'appels passés ou reçus à proximité de l'appartement de Sylvain Rome, la nuit du meurtre. J'ai rentré son nom et son nom est apparu effectivement. Donc il était bien présent dans la nuit du 15 au 16 dans le secteur du domicile de Sylvain Rome. Là, il devenait notre suspect numéro un. Le policier tient son homme. Il demande à la juge d'instruction de Beauvais de transférer Jackie Hadouche à Saint-Étienne. Il veut vérifier qu'Hadouche est bien le mystérieux kiné qui a sympathisé avec Sylvain au bar quelques heures avant le drame. Dès son arrivée à la PJ, Hadouche est conduit dans la salle de tapissage. De l'autre côté de la vitre Santin, il y a Lucien Florent, le témoin de la rencontre dans le bar. Moi, je reconnais la personne qui a un petit peu changé, qui a pris un petit peu plus de poids, donc qui n'a plus le look de l'intellectuel que j'avais vu ce jour-là, mais son attitude est la même, exactement la même. C'est donc bien Jackie Hadouche qui a abordé Sylvain Rome dans le bar le jour du meurtre. Et c'est lui qui a utilisé son téléphone à proximité de l'appartement de la victime. Il est immédiatement placé en garde à vue. Je vois tout de suite que j'ai affaire à quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui est nullement impressionné par les policiers ou même la mesure de garde à vue. Donc je l'auditionne tout à fait normalement, il répond à mes questions, notamment sur sa présence à Saint-Étienne. Et c'est quelqu'un qui, un an après les faits pratiquement, se souvenait effectivement de son séjour à Saint-Étienne, où il était venu rendre visite à sa famille. Hadouche reconnaît être venu à Saint-Étienne mi-juillet. Mais il nie avoir rencontré ce Sylvain Rome. Il n'a donc pas pu aller chez lui. Bref, il n'a rien à voir avec cette histoire. Très à l'aise, il se permet même de se moquer du lieutenant Duboule. Il est ironique avec moi, il joue avec moi. Il se permet de me dire notamment qu'il a lu un article de presse sur le taux d'élucidation des homicides, en me disant que malheureusement, la police française, ben, on n'était pas très bon, et que le taux d'élucidation en matière d'homicide n'était pas bon. Donc, ceci dit avec un large sourire, bon, moi, je répondais tout naturellement que j'étais là peut-être pour améliorer le taux d'élucidation. Donc, c'était ce genre de rapport qu'il y avait entre nous. Et Jackie Hadouche propose aux policiers de l'aider à résoudre l'affaire. Il me conseillait, littéralement, d'enquêter sur les proches et les familiers de la victime. Il m'expliquait que souvent, justement, les familiers, les proches, les amis étaient les auteurs des homicides. Malgré ses conseils gracieux, Jackie Hadouche ne gagne pas la partie. Il est mis en examen pour le meurtre de Sylvain Rome. Plus tard, au cours de l'instruction, il finira par reconnaître qu'il a bien rencontré Sylvain dans le bar. Mais c'est tout, hein. Il n'est jamais monté chez lui. Il ne l'a pas tué. Le 14 avril 2006, l'instruction est terminée. Jackie Hadouche est renvoyé devant la cour d'assises de Saint-Étienne pour le meurtre de Sylvain Rome. Maître Bellouni, le 26 mars 2007, Jackie Hadouche comparaît devant la cour d'assises de Saint-Étienne pour le meurtre de Sylvain Rome. C'est le premier procès. Comment se comporte d'abord Hadouche à l'audience ? Il faut savoir que Jackie Hadouche est sous médicaments et il a plusieurs anxiolytiques qu'il prend tous les jours, donc il est dans un état assez second, assez abattu. Donc pas très présent lors de l'audience. Il s'explique ? Il s'explique, il se défend, oui. Parce qu'il ne reconnaît pas les faits. Non. Comment est-ce qu'on peut le défendre ? La difficulté de Saint-Étienne, c'est que l'accusation s'était servie des autres dossiers dans lesquels il était mis en cause et pour lesquels il n'avait pas encore été jugé. C'est-à-dire que vous dites quoi ? Le dossier concernant Sylvain Rome n'était pas très solide, mais on l'a renforcé bien par sûr. L'ombre des deux autres meurtres, tout c'est ça ? Tout seul, il ne tenait pas. Dans le dossier, il y a beaucoup de zones d'ombre et il n'y a rien qui me semble probant dans le fait que Jackie Hadouche aurait tué Sylvain Rome. Quel est le verdict dans ce procès-là ? Le verdict, c'est 30 ans avec une période de sûreté de 20 ans, qui est une peine extrêmement lourde, bien évidemment, et qui, je trouve que ça témoigne bien du fait que les autres dossiers ont été pris en compte. Et c'est d'ailleurs c'est assez insidieux, parce qu'évidemment, on vient vous dire à l'audience, oui, mais Jackie Hadouche, vous devez vous souvenir, messieurs et madame les jurés, qu'il est présumé innocent puisqu'il n'a toujours pas été jugé. Mais lorsque vous avez un avocat général qui évoque, ou un président de cour d'assises qui évoque ces dossiers
auprès des jurés, nécessairement c'est impressionnant et nécessairement ça a une influence. Il fait appel. Oui. Et puis il fait marche arrière. Le jour du procès en appel, oui. Finalement, il renonce à son appel. Pour tous ceux qui observent la justice fonctionner, ça résonne comme une reconnaissance de culpabilité. Pas nécessairement. Son désistement peut aussi correspondre à une forme de lassitude, la conviction qu'il ne sera pas entendu. Il a en mémoire ce qui s'est passé à Saint-Étienne et que donc, quoi qu'il puisse dire, on ne l'écoutera pas et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hadouche a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté pour le meurtre de Sylvain Rome. Il doit maintenant comparaître dans les autres dossiers. Le 18 avril 2008, la cour d'assises de Beauvais le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour les meurtres de Gilles Canette et de Léo Capon, ainsi que pour le viol commis en 1995. Pendant les deux semaines d'audience, il n'a rien assumé, il n'a rien reconnu. Et après sa condamnation, il fait appel. Palais de justice d'Amiens, le 8 mars 2009, veille du procès en appel. Jacques Hadouche est conduit dans le bureau de la présidente de la cour d'assises pour un entretien préalable, un simple rendez-vous administratif qui a lieu avant chaque audience d'assises. Hadouche a un message. J'ai senti tout de suite que cet homme était un homme en souffrance, un homme fragilisé, certainement. Et il m'a tout de suite laissé entendre qu'il parviendrait peut-être à dire, à s'exprimer, s'il se sentait en confiance. Le procès en appel s'ouvre donc sous de bons auspices. Hadouche s'engage enfin à s'expliquer alors qu'il n'avait rien avoué en première instance. Le lendemain, le 9 mars, Jacques Hadouche fait son entrée dans le box des accusés. Là, on voit un homme avec un visage bouffi par les médicaments, par le traitement qu'il doit subir en prison. Et là, c'est un homme qui baisse la tête. Il va éviter le regard des victimes, des familles des victimes. Et on sent que, finalement, le Jacques Hadouche, qui portait beau, qui parlait bien, etc., tout, là, il s'est complètement évaporé. La présidente Isabelle Serin lit l'acte d'accusation, puis elle se tourne vers l'accusé. Elle lui demande s'il a quelque chose à déclarer au sujet du meurtre de Léo Capon. C'est le moment décisif. Jacques Hadouche va-t-il encore une fois nier les faits ou parler, comme il s'y est engagé la veille, devant la présidente ? Qui dit qu'il reconnaît pour le meurtre de Madame Capon. Il reconnaît les faits. On sent presque un ouf de soulagement dans la salle, surtout du côté de la famille où les uns et les autres se regardent en se disant « ça y est, Jacques Hadouche parle ». C'est sûr à 100%, on se dit même des 100% qu'il sera inculpé pour le meurtre de ma grand-mère. Mais derrière, on attend plus de choses, quoi. Pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait. Mais Jacques Hadouche n'apporte aucun détail. Tout juste parvient-il à livrer quelques souvenirs. Cette nuit-là, il raconte qu'il avait bu de l'alcool, beaucoup trop. Vers 19h, il a débarqué dans ce foyer de Beauvais. Pourquoi là ? Il n'en sait rien. C'est par hasard qu'il a forcé la porte du studio de Léo Capon avant de la frapper et de la poignarder. Pourquoi est-ce qu'il tue Madame Capon ? Je sais pas. Il n'y a pas de raison tellement rationnelle. On n'a pas d'explication. Il ne sait pas, ou alors il ne sait plus, ou alors il ne veut pas s'exprimer. La seule chose qu'il saura dire, c'est « j'ai fait une connerie ». C'est comme si un gamin disait « j'ai fait une bêtise ». Un meurtre sans mobile, un meurtre gratuit, c'est encore plus terrifiant. La cour aborde ensuite l'affaire Canette, un dossier beaucoup moins évident. Les choses sont très complexes dès le départ, parce qu'effectivement, c'est un dossier qui a été fermé une première fois, rouvert ultérieurement, avec très très peu d'éléments de preuve. Il peut y avoir un doute. Est-ce que finalement, on n'aurait pas mis ça en plus à Jacques Hadouche pour faire un espèce de paquet commun ? Mais l'accusation s'accroche au témoignage des deux jeunes qui étaient chez Gilles Canette le soir du drame.
Devant la cour, ils viennent répéter ce qui s'est passé cette nuit-là, l'attitude de Jackie Hadouche dans l'appartement et ses menaces du lendemain. La défense plaide que c'est parole contre parole et que ses témoignages sont trop beaux pour être crédibles. C'est un peu l'élément manquant de l'accusation. Ça colle extrêmement bien. Ils arrivent, la bouche en fleurs, nous raconter qu'ils ont des souvenirs extrêmement précis de ce qui s'est passé 7 ans auparavant. Et voilà, presque comme si on avait retrouvé une trace ADN ou quoi. Je veux dire, c'est la preuve absolue, on l'a eu. Les témoignages sont fragiles, sans doute. Mais les faits, le vol en pleine nuit, grâce à la carte bleue, le médicament que Gilles Canet a ingurgité tout en buvant de l'alcool, ça ressemble beaucoup à du Hadouche. C'est signé. Dans son box, Jackie Hadouche reste silencieux. Il n'explique pas ce qu'il faisait chez l'enseignant ce soir-là. On va sentir que l'intime conviction de ceux qui sont dans la salle est en train de basculer très progressivement vers la culpabilité de Jackie Hadouche dans le meurtre de Gilles Canet. C'est quelque chose de presque palpable à un moment donné. On sent, on a la conviction à un moment donné que, une fois de plus, Jackie Hadouche ment. L'issue du procès ne fait aucun doute. Jackie Hadouche sera sûrement reconnu coupable de ces deux meurtres. Mais la cour veut encore comprendre ce qui a poussé Hadouche à tuer pour rien. Elle se penche sur l'histoire familiale de l'accusé. Et une fois encore, Jackie Hadouche bredouille. Il est incapable de s'expliquer. La présidente appelle ses frères à la barre. Eux parlent. Ils racontent en détail le calvaire que leur père a imposé à toute la famille. Et puis ce père qui est à la maison, parce qu'il est alcoolique, cogne sur les enfants, cogne sur sa femme, les enferme parfois dans une, scène qui est terrible. Tout le monde est enfermé dans une pièce. Le père coupe une bouteille de gaz et puis essaie de l'enflammer, essaie de faire tout exploser, quoi. Et puis il y a le suicide du père. Jackie Hadouche avait 16 ans quand il a reçu dans ses bras le corps ensanglanté de son père qui venait de se tirer une balle dans la tête. À mon sens, le dérapage, il est là. Il est dans le suicide du père, qui était extrêmement lourd, mais sans doute rattrapable avec beaucoup de travail. Et puis derrière, je pense qu'à partir du moment où il était incarcéré, là, à 16 ans, pour cette histoire-là, pendant plusieurs années de prison ferme, c'était foutu pour lui. Parce que la violence qu'il a lui-même subie, eh bien, forcément, elle ressortira. Et son rapport à l'autre ne pourra pas être un rapport d'apaisement, de sérénité. Son rapport à l'autre sera forcément un rapport destructeur, avec une destruction terrible, puisqu'elle ira jusqu'à la mort. Après 3 heures de délibéré, la cour rend son verdict. Jackie Hadouche est reconnu coupable des crimes de Léo Capon et de Gilles Canet, ainsi que du viol commis en 1995. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. La même peine qu'en première instance. Françoise Nantois, évidemment, vous ne vous attendiez pas dans votre vie à vous retrouver au banc des parties civiles dans un procès d'assises. Vous attendiez quoi de ce procès et du procès précédent d'ailleurs, globalement de la justice? On attendait d'abord de savoir ce qui s'était passé, d'être au plus près de la vérité. On a appris sur la personnalité de l'accusé, qu'il connaissait, apparemment, qu'il y avait quand même eu une connaissance entre ce Hadouche et mon frère. Avez-vous eu toutes les réponses aux questions que vous vous posiez? Mais non, ce qui est assez frustrant, c'est qu'il n'a pas avoué pour notre frère, puisqu'il a nié. Mais quand on est dans le déroulement du procès et qu'on voit comment il se conduit, comment il s'est nié avec beaucoup de conviction des faits qu'il avoue par la suite, qu'il change de version continuellement et qu'on ne peut donc pas du tout se fier à ce qu'il dit, et puis compte tenu de tous les témoignages qu'il y a eu, pour nous, il était coupable. Dans un dernier sursaut, une semaine après la fin du procès en appel, Jackie Hadouche se pourvoit en cassation. Sans succès, son pourvoi est rejeté, sa condamnation est définitive.